Alors, je vais passer maintenant la parole à Laetitia Bueno, une autre enfant du pays aussi, quoi, que je soupçonne qu'elle aussi soit née à Gassin. Voilà, c'est ça. Et juste un petit mot pour présenter Laetitia. J'ai eu un certain nombre de conversations avec Laetitia qui serait dans votre équipe en charge des affaires sociales. Et j'avoue que j'ai eu deux impressions en parlant avec Laetitia, c'est qu'on était bien d'accord sur ce que veut dire le social. Qu'est-ce que c'est que le social, ce qu'elle va dire maintenant. Et en même temps, que j'avais affaire à une femme qui savait de quoi elle parlait, pour qui ça recouvrait un vécu, ça recouvrait quelque chose à quoi elle avait réfléchi. Et je me suis dit, c'est une compétence dont nous ne devons pas nous passer. Bonsoir. Je m'appelle Laetitia Bueno, j'ai 36 ans, je suis née à Gassin. Je suis en couple et j'ai 4 enfants. Je suis préoccupée par le devenir et l'aide des personnes en difficulté, qu'elles soient personnes seules, familles, enfants ou personnes âgées. Notre commune étant composée d'une population diverse et variée, aussi bien au niveau de l'âge qu'au niveau des revenus, à l'image de notre liste. Je me présente aux côtés de François Dupuis afin de pallier au mieux et le plus humainement possible aux soucis financiers dus à la crise et aux difficultés de logement des actifs, des familles et des locaux qui demeurent un véritable problème dans notre village. Non pas en déplaçant des parcelles agricoles dans le but d'en faire des logements sociaux pour ensuite les confier à des promoteurs, mais en créant de vrais logements sociaux ou intermédiaires qui répondent aux besoins des croisiens. Je dis bien des croisiens. Trop de gens vivent sur notre commune dans des logements trop petits, insalubres et bien évidemment à des prix exorbitants. Nous ferons en sorte d'être à l'écoute et d'accompagner les gens au mieux dans leurs difficultés. Une de nos premières actions en ce sens sera de nommer une assistante sociale de sur site de manière à faire face à l'urgence. N'oublions pas que l'on peut descendre l'échelle sociale plus facilement qu'on ne la monte. Notre action peut concerner à tout moment chacun d'entre nous. Merci.